pues no vamos a hablar siempre de Ucrania. O sea, que es un tema urgente. Speaker is.
Se va a hablar también.
Bonjour. Morning. Je suis heureux de saluer les nombreux participants à notre forum méditerranéen. Au nom de l'ensemble de nos collègues, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au forum méditerranéen annuel de la POSCE. Cette année, notre forum se tient au bord du lac Léman. C'est un privilège et je tiens à remercier particulièrement nos hôtes suisses pour leur très chaleureuse hospitalité. Notre agenda est chargé. Mes commentaires seront donc brefs. Depuis le dernier forum méditerranéen de Budva, qui s'est tenu en octobre de l'année dernière, nous avons été nombreux à nous engager avec nos partenaires méditerranéens. Je me suis d'ailleurs moi-même rendu à Monaco fin octobre de l'année passée afin de participer à la conférence méditerranéenne gouvernementale de l'OSCE. J'y ai débattu de l'inadmissible et intolérable traite des êtres humains qui afflige les pays du pourtour méditerranéen et bien au-delà. Je pense que nous pouvons être fiers du travail accompli depuis l'année dernière et tout particulièrement, je tiens à souligner l'engagement des partenaires lors de notre dernière session d'hiver à Vienne et durant la session annuelle à Bakou. En tant que Français, j'accorde une importance toute particulière à la dimension méditerranéenne de l'OSCE. Mare Nostrum, notre mer, et au sujet qui est le nôtre aujourd'hui, affronter les défis sécuritaires actuels dans la région méditerranéenne, le modèle OSCE. Dans ce cadre, je souhaite aller plus loin et prendre le risque d'aborder de manière globale les migrations illégales et les situations de détresse qui continuent de préoccuper la communauté internationale, à savoir et prioritairement la Libye, Gaza, la Syrie et l'Irak. Chacun de ces conflits représente à lui seul une menace impérieuse pour la sécurité du bassin méditerranéen. Prise dans son ensemble, et à l'aune de l'intensité des combats en cours au cours de cet été, la situation devient quasiment intenable. D'abord pour les populations victimes de violences, mais aussi pour des pays qui se retrouvent pris dans la tenaille de ces tensions régionales. Je pense notamment à la Jordanie ou à la Turquie, qui sont soumis à un flux incessant de réfugiés. Permettez-moi de rappeler que le 15 septembre dernier, les représentants d'une trentaine de pays se sont réunis à Paris pour une conférence internationale sur la sécurité en Irak. Dans le texte final, ils ont choisi de soutenir la lutte de Bagdad contre les djihadistes de l'État islamique par tous les moyens nécessaires, y compris militaires, dans le respect du droit international et de la sécurité des populations civiles. Le débat sur la lutte contre Daesh, autrement connu sous le nom trompeur
d'État islamique, qui est d'ores et déjà actif aux portes de la région OSCE, est un débat que nous ne pouvons pas occulter. Je tiens à rappeler que la situation en Irak est une menace directe sur des États participants et des partenaires de l'OSCE qui lui sont limitrophes, et même au-delà, sur toute la région OSCE et particulièrement l'Asie centrale. Je tiens ici à évoquer avec tristesse et émotion le sort d'un citoyen français qui est tombé entre les mains de ces monstres et qui l'a payé de sa vie. Hervé Gourdel, guide de haute montagne, avait été enlevé le 21 septembre à Tizi Ouzou, dans l'est de l'Algérie. Il est mort décapité 3 jours plus tard. Un acte qualifié à juste titre d'infamie et de barbarie par toute la classe politique française et bien au-delà. Car pour les auteurs de ce crime, il est clair que la vie n'a aucune valeur, absolument aucune valeur. Ils bafouent sans vergogne toutes les valeurs de l'humanisme et du respect de l'homme qui nous rassemblent. Notre devoir est de condamner de tels actes et de combattre leurs auteurs sans faiblesse et avec une détermination sans faille. Encore un mot, si vous le permettez, sur la Libye, un État qui a demandé à être associé au partenariat de l'OSCE. La semaine dernière, Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, a rappelé la mobilisation de la France en faveur de la Libye et notre appui à l'action des Nations Unies lors d'un événement organisé par le secrétaire général des Nations Unies en marge de son Assemblée générale. Sans transition, je désire souhaiter la bienvenue aux participants en provenance des États partenaires méditerranéens de l'OSCE. Et je leur donnerai la parole dans un court moment, afin qu'à nos distingués, ainsi qu'à nos distingués intervenants assis à mes côtés. Afin de faciliter l'interprétation lors de ce forum, je demanderai à tous ceux d'entre vous qui ont l'intention de lire leur intervention d'en faire parvenir une copie au secrétariat afin qu'ils puissent la transmettre aux interprètes. Nous allons écouter nos distingués intervenants les uns après les autres. Si vous avez des questions ou des commentaires à leur adresser, je vous invite à le faire dans le cadre qui va suivre leur présentation et les remarques des partenaires. À cet effet, une liste est actuellement ouverte et je vous invite à signaler votre nom et votre pays auprès du personnel du secrétariat assis à mes côtés pour vous inscrire. Avant de donner la parole à M. Andreas Ebi, chef de la délégation suisse auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, c'est avec un immense plaisir que je donne maintenant la parole à notre cher ami M. Ilkka Kanerva, le président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, pour qu'il introduise nos débats. Merci. In here. Yes, good. Our President, Excellencies, fellow parliamentarians, distinguished guests. Also, I want to welcome you to our autumn meeting here in Geneva today. And I'm sure that all of us, we are very happy to be here in Geneva today with you. And I would like to thank our Swiss Parliament and Mr. Andreas Ebi, the head of the Swiss delegation, for the great hospitality. There will be more time for welcomes and due thanks this afternoon, of course. So let's now turn directly to the important matters in front of us, before us, many of which our esteemed colleague, Vice President Alain Nery, just introduced. Thank you very much. Merci beaucoup. Yes. Since our autumn meeting at this time last year, the eyes of the world have often been divided between two hot spots of upheaval and conflict. Of course, I mean Ukraine and Middle East. The OSCE and the Parliamentary Assembly have devoted every possible effort towards de-escalating the former
crisis. However, we perhaps have not paid due attention to the latter. It is my sincere hope that this forum can help remedy that. What I am referring to is not one conflict, not one source of instability, but multiple conflicts and multiple challenges in a region of highly complex political, cultural, and religious realities. These conflicts and challenges are not peripheral to the OSCE area. One of the biggest security threats to the region and to the whole civilized world is extremist movement of ISIS, and OSCE states are now considering ways to counter this common enemy. ISIS advance has only complicated the horrific conflict in Syria, which has become one of the greatest human tragedies in recent memory. As the conflict raged, it continues to extend its destabilizing wave across the Middle East and beyond. Several OSCE states have significant influence over some of the parties to the conflict. The renewed violence in the Israeli-Palestinian conflict has made a lasting peace only more elusive and caused far too many lives on both sides. As long as it remains unresolved, it also threatens the peace and security of the region at large. Sadly, it also continues to serve as a cover for antisemitism throughout the world, including the OSCE area. The political transition that is still underway in the Middle East and the North Africa follows the Arabic Spring continues to deserve our attention. Democratic values have not fully taken root. The process will take time, leadership, and concerted international support. These are all issues that closely affect our Mediterranean partners for cooperation, I mean Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Morocco, and Tunisia. The OSCE Parliamentary Assembly greatly values the experiences and the lessons that they will share with us to help us better understand these dynamics. I want to extend a special welcome to the parliamentarians from Algeria and Morocco who are with us here for this forum. Thank you. OSCE participating states also have an important opportunity today to share their perspectives on these issues. Let us learn from each other's experiences and consider policies to improve security and stability for our Mediterranean partners and for ourselves. Our Mediterranean Forum has many issues to discuss, such as the flow of migrants and asylum seekers throughout the region. This topic and the related human rights, political and economic factors was one of the main themes of our annual session this year. Our declaration called on EU member states to engage further in migration management and to ensure that the contribution and burden of migration on the European continent is shared equally among member states.
But how can this be implemented? How can we work together to reduce the roots causes of irregular migration? In our resolution on comprehensive immigration reform, we noted that equality of opportunity for Mediterranean people and the protection of their human rights are essential to security, peace, stability, and sustainable democracy, and hence to economic growth in the OSCE area. So we called on the OSCE states to reinforce dialogue with countries of origin and transit. Today, we have a prime opportunity to this. Yes, we have much to work on. I look forward to the rest of this morning addresses and to our debate. I urge all of us to seize this opportunity for dialogue and brainstorming and take lessons learned back home. So thank you. Thank you very much indeed. Thank you, Mr. President. Je voudrais à présent poursuivre notre agenda et je donne la parole à notre ami Monsieur Andreas Ebi, le chef de la délégation suisse auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, que je remercie d'ores et déjà pour la mémorable hospitalité dont nous faisons l'expérience lors de notre séjour genevois. Vous avez la parole. Monsieur le Président du Forum méditerranéen de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, Madame et Messieurs les parlementaires, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs, en tant que Président de la délégation fédérale suisse auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, c'est un grand plaisir et un grand honneur de vous accueillir ici à Genève, à l'occasion de cette rencontre d'automne. Laissez-moi également vous remercier, Monsieur le Président, de m'avoir invité à venir m'adresser de ce forum méditerranéen, dédié au thème très actuel et pertinent des défis sécuritaires contemporains pour la région méditerranée. À cet égard, laissez-moi brièvement esquisser trois défis actuels pour l'espace méditerranéen et l'OSCE. Le terrorisme, les pressions migratoires, et le financement du terrorisme par le biais enlèvement contre rançon. Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Die jüngsten Ereignisse im Irak und in Syrien führen uns eines der drängendsten Probleme des Mittelmeerraums vor Augen. Die Brutalität und Barbarei des selbsternannten Islamischen Staates zeigen, dass die Plage des Terrorismus noch nicht ausgemerzt werden konnte und noch auf Jahre hinaus eine Herausforderung für die Mittelmeerregion wie auch für die internationale Gemeinschaft darstellen wird. Die Ereignisse im Irak und in Syrien stellen aber nicht nur eine Herausforderung für die Mittelmeeranrainer dar, sondern für den gesamten OSZE-Raum. Obwohl die Schätzungen unterschiedlich sind, so wissen wir doch, dass sich in diesem Moment Tausende von Kämpfern, und zwar ausländische Kämpfer, im Irak und Syrien befinden und in terroristische Aktivitäten involviert sind. Die Kämpfe stammen nicht nur aus dem Mittelmeerraum, sondern eben auch aus dem gesamten OSZE-Raum. Kampferprobt und ideologisch verblendet, werden diese Leute nach der Rückkehr in ihre Heimatländer ein großes Sicherheitsrisiko, dem sich die OSZE und ihre Partnerländer jetzt und in Zukunft annehmen müssen. In Anbetracht dieses jungen Phänomens sollte die Parlamentarische Versammlung dieses Thema dringlich aufnehmen und sich über den Sachverhalt klar zu werden und über mögliche Lösungen nachzudenken. In diesem Hinblick möchte ich dem Schweizer OSZE-Vorsitz dafür danken, dass er das Thema fremde Kämpfer in die Agenda der OSZE 2014 aufgenommen hat.
Die Thematik war Gegenstand der Antiterrorismuskonferenz in Interlaken, die im April stattfand, die wir außerdem an der kommenden OSZE-Mittelmeerkonferenz Ende Oktober in Bosnien-Herzegowina diskutieren werden. Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, einen wichtigen Aspekt der Krise im Irak und Syriens haben wir noch nicht beleuchtet. Die humanitäre Tragödie mit Tausenden von Menschen, die vor der Barbarei und Gewalt fliehen. Hunderttausende Menschen müssen fluchtartig ihre Dörfer und Städte verlassen. Der Druck auf die Nachbarstaaten, auf die mediterranen Partnerstaaten und den gesamten OSZE-Raum ist erheblich. Vor diesem Hintergrund kommt die Diskussion, die im Mai dieses Jahres in der mediterranen Kontaktgruppe in Wien geführt wurde, gerade rechtzeitig. Thema dieser Gespräche war die Migration als Folge der Krise in Irak und in Syrien. Der Migrationsdruck sowohl auf die benachbarten Mittelmeerstaaten als auch auf den OSZE-Raum wird uns noch lange beschäftigen. Auch die Parlamentarische Versammlung, also wir, sind gefordert und müssen das Thema baldmöglichst an einer der nächsten Versammlungen behandeln. Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wenn wir über Terrorismus sprechen, dann dürfen wir die Frage nach der Finanzierung der Terrorgruppen nicht außer Acht lassen, sei das im Irak, in Syrien oder anderswo. Die steigende Anzahl Entführungen und die Lösegeldforderungen als Folge davon bereiten der Schweiz große Sorgen. Dieses System, das das menschliche Leben auf eine Handelsware herabstuft, bringt den Terroristengruppen wichtige Einkünfte und spornt zu weiteren Entführungen an und stellt für Bürger aller Staaten ein hohes Risiko dar. Die effektivste Methode, um dieses Muster zu durchbrechen, ist eine strikt angewandte Politik des Nichtbezahlens von Lösegeld. Auch sonst dürfen keinerlei politische Konzessionen gemacht werden. Je mehr Staaten diese Strategie verfolgen, desto besser der Schutz von Entführungen. Entführungen mit Lösegeldforderungen, das ist ein Schwerpunkt auf der Agenda des Schweizer OSZE-Vorsitzes während dem Jahr 2014. Und die Schweiz hat sich dazu verpflichtet, dieses Thema international voranzubringen. Zum Beispiel durch die Förderung von Präventionsmaßnahmen wie etwa die Versorgung der Bevölkerung mit aktuellen Reiseinformationen und öffentlichen Sensibilisierungskampagnen, die sich an Risikogruppen richten. Wie bereits angesprochen, wurde das Thema in Interlaken an der Antiterrorkonferenz der OSZE und außerdem an einem Seminar der mediterranen Partner in Malta behandelt. Solche Seminare, die sich direkt an Experten und Fachleute, die in ihrer täglichen Arbeit mit dem Thema konfrontiert sind, richten, sind ein Beispiel, wie die OSZE die mediterranen Partner mit Know-how unterstützen kann. Das Thema, das ist uns bekannt, das ist schwierig und ich habe hier in knapper Form einige Beispiele gegeben. Ich denke, wir müssen versuchen, diese Angelegenheit besser zu verstehen. Wir sollten unsere Diskussionen darüber auf parlamentarischer Ebene vertiefen, Wege finden, wie die OSZE dieses Problem in Zukunft besser bewältigen kann. Denn nicht nur für die mediterranen Partnerstaaten war eine große Herausforderung, sondern für den ganzen OSZE-Raum. Und diese Problematik betrifft uns alle. Darum wünsche ich mir eine fruchtbare Diskussion und danke bestens, Herr Präsident. Merci, cher ami Andreas. Je vais maintenant inviter les partenaires pour la coopération à faire quelques remarques qui seront suivies du débat. Si vous le permettez, nous allons commencer par l'Algérie. Monsieur Hachemi Djihar, membre du Conseil de la Nation et chef de la délégation algérienne, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, voici que la gravité des événements qui font l'actualité met de nouveau la Méditerranée au cœur des débats de cette session. Animé par l'optimisme, on serait évidemment tenté de la présenter comme une mer de proximité, le berceau de modèles religieux et culturels qui ont su se hisser à l'universel, un espace dont la vocation est de rapprocher les hommes et les cultures, de brasser les idées et les langages, de favoriser les échanges et d'intégrer les économies. Mais hélas, les héritages historiques et les réalités de la géopolitique parlent de la Méditerranée autrement. L'histoire nous enseigne que depuis le partage de l'Empire romain entre Byzance et Rome à la fin du IVe siècle de notre ère, cet espace n'a jamais cessé d'être une zone de tumulte, de clivage, d'affrontement et de rivalité entre les bâtisseurs d'empires et entre les États nationaux expansionnistes. Quant à la géopolitique, elle prend désormais en compte la Méditerranée au sens large, dans la mesure où, pour des raisons à la fois climatiques, culturelles, sécuritaire et géostratégique, l'analyse élargit l'ensemble méditerranéen à des espaces périphériques annexes tels que les pays du Golfe Persique, la mer Noire, la zone du Sahel et même le Caucase et le Yémen. C'est d'ailleurs dans ce cadre élargi que se posent aujourd'hui des problèmes gravissimes de sécurité et de stabilité. Les événements qui se déroulent en Irak, en Syrie, en Libye, au Sahel, ainsi que les conflits qui persistent ici ou là, sans perspective de solution prévisible à court terme, montrent à quel point une reconsidération du système de coopération en Méditerranée s'impose. D'où la nécessité pour le SCE de saisir l'occasion des acquis plus 40, afin d'évaluer non seulement son propre parcours depuis sa création, mais aussi d'évaluer les initiatives prises à travers notamment la déclaration de Pétersbourg sur le dialogue avec les pays du Maghreb, l'invitation adressée à quelques pays des rives sud et est de la Méditerranée à participer aux réunions ministérielles de l'OSCE, le dialogue méditerranéen initié par l'OTAN avec les six pays de la rive sud, la déclaration de Barcelone et enfin la politique européenne de sécurité et de défense orientée en direction de la région méditerranéenne. Une telle évaluation, mesdames, messieurs, qui sera faite à la lumière des événements actuels, permettra de décrire les réalisations et d'apprécier les résultats enregistrés. Elle permettra de savoir si le système en vigueur, porté par deux visions distinctes qui sont d'un côté celle de l'Union européenne et d'un autre côté celle de l'OTAN, est pertinent et peut se suffire à lui-même. Et si une vision nouvelle, par laquelle l'OSCE d'un côté et les pays de la région méditerranéenne tels que définis précédemment d'un autre côté, ne seraient pas mieux indiqués pour un vrai partenariat en matière sécuritaire orienté vers la recherche de vraies solutions au problème du terrorisme. En vérité, il s'agit d'une refondation dont le principe tire sa raison d'être du fait que ce qui se joue aujourd'hui à la périphérie sud de l'OSCE est à mains égards une question de vie ou de mort pour le processus d'unification de la démocratie et de l'état de droit que des pays comme l'Algérie, par exemple, s'attellent à consolider. Elle signifie également, par la nécessité d'adapter les politiques de coopération et transformation qu'a connue la région méditerranéenne en un court laps de temps, tout en allant au fond des choses. Qu'est-ce que cela signifie, aller au fond des choses? Cela signifie de ne pas s'en tenir aux approches strictement conjoncturelles, aussi nécessaire soit-elle, mais d'avoir l'audace d'élargir la perspective à une démarche autrement plus féconde de gestion structurelle des conflits qui déchirent les zones méridionales et orientales de la Méditerranée. Ce qui implique de porter collectivement un diagnostic juste de la situation, en observant lucidement la réalité actuelle, afin de déchiffrer et d'identifier les forces et les faiblesses des approches mises en œuvre à ce jour dans le traitement des crises, et ainsi de bien en comprendre les ressorts pour mieux agir. De quoi s'agit-il? Il s'agit, au-delà de l'actualité et la légitime émotion populaire,
relayée par les médias et les mesures d'ordre militaire qui ont été prises, de comprendre les causes profondes de la barbarie qui s'abat sur la région. Comprendre pour faire les bons choix et anticiper les secousses futures. En effet, ce qui se passe aujourd'hui aux frontières méridionales de l'OSCE n'est ni une fatalité ni le fruit du hasard. C'est bien la conséquence d'une conjonction de phénomènes dont il faut livrer une explication causale afin de dégager des solutions durables et leur donner cohérence et pertinence. Car aucun fait, aussi grave soit-il, n'est jamais le produit d'une seule et unique cause. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, occultons les causes profondes. On a tendance à ne concentrer l'attention que sur deux conséquences apparentes de la crise qui affecte cette partie du monde. La première conséquence concerne la riposte militaire, perçue comme l'unique solution. La seconde conséquence concerne le djihadisme, perçu à juste titre comme la manifestation meurtrière de la folie de ceux qui en font leur étendard. Or, derrière ces apparences, il y a des éléments de compréhension qu'il convient de cerner du mieux possible pour se convaincre qu'il s'agit en vérité d'une crise structurelle à traiter en tant que telle. S'agissant d'abord de la riposte militaire, il est légitime de se demander si elle est bien de nature à elle seule à véhiculer une solution durable. Il est vrai qu'en raison de la conjoncture, elle apparaît comme une mesure d'urgence nécessaire, mais en analysant les choses de plus près, on peut aussi être en droit d'en douter. Pourquoi ? Parce que cela fait plus de 60 ans que l'approche militaire des crises est pratiquée au Proche et au Moyen-Orient sans fournir de résultats satisfaisants, bien au contraire. Depuis la première guerre israélo-arabe de 1948 jusqu'à celle de Gaza en 2014, en passant par Suez, la guerre des six jours, celle d'octobre de 1973, les guerres du Golfe, les guerres du Liban, sans compter les événements du Sud Yémen en 1986, il n'y a eu que des morts, des destructions, des ruptures, des haines qui ont divisé toujours davantage les communautés humaines, sans autre résultat notable que la montée des extrémismes et la prolifération des mafias qui en sont en passe aujourd'hui de dicter leurs lois. C'est dire en bref qu'une crise multiforme qui dure depuis si longtemps dans le même espace géographique, notamment celle qui oppose les Israéliens et les Palestiniens, n'en est pas une. C'est à l'évidence tout un système de sécurité collective qu'il faut traiter en tant que tel afin d'en finir une bonne fois pour toutes. Faute de quoi, l'exacerbation ira en s'accentuant. Et ce sont les extrémistes qui continueront à en tirer profit comme ils le font aujourd'hui. À cet égard et à titre d'exemple, le pari israélien d'un découragement des Palestiniens apparaît chaque jour un peu plus comme une erreur stratégique majeure, car les Palestiniens, qui n'ont plus rien à perdre, ne baisseront probablement jamais les bras, et aucune opération militaire ne leur fera changer d'avis aussi longtemps qu'ils ne seront pas rétablis dans leurs droits légitimes. Rappeler cette vérité élémentaire, mesdames, messieurs, n'est rien d'autre qu'un plaidoyer pour la paix, la justice et la sécurité pour tous, pour dire aussi la nécessité d'étouffer à la racine les arguments que les extrémistes ne cessent de puiser dans l'enlisement du processus de paix. Pour souligner également que les schémas de la dialectique simpliste « sécurité Israël, menace palestinienne » gravés dans les esprits par les guerres successives et entretenus par une propagande savamment enregistrée, nourrissant la peur et causant indirectement l'assassinat d'un sage par un étudiant extrémiste israélien en 1995, Je veux citer Yitzhak Rabin, compromettant ainsi les accords d'Oslo. Un tel schéma, mesdames, messieurs, ne tient plus la route. En même temps que le recours à la force dans l'analyse rétrospective, rétroactive et prospective s'impose aujourd'hui afin d'en évaluer les effets sur la paix et la sécurité, un second élément occupe l'actualité qu'il faut comprendre également pour mieux agir et anticiper sur le long terme. Il s'agit du djihadisme. C'est un phénomène qui a certes des ramifications avec le monde souterrain du crime organisé, de la drogue et de toutes sortes de trafics, lesquels tirent habilement avantage de la mondialisation. C'est donc incontestablement un syndrome mafieux. C'est aussi un mouvement animé par des fanatiques dont le comportement n'obéit à aucune logique rationnelle. Mais c'est une erreur d'en s'en tenir à ses seules explications. Car le djihadisme
n'est pas sans lien avec les mutations du paysage idéologique caractéristiques du réformisme en pays d'islam, lequel est tantôt articulé sur l'effort de réconciliation entre l'islam et la modernité, tantôt sur une volonté de résistance à un Occident conquérant à travers une réforme morale et religieuse dont l'objectif déclaré est une réaslamisation de la société. Dans cet ordre d'idées, le djihadisme n'est pas le djihad, lequel renvoie à la lutte de la communauté islamique à des fins défensives. Il s'agit d'un mouvement armé qui s'assigne comme but le renversement des régimes en place sur un espace donné pour leur substituer un régime se prévalant de l'islam dont ils déforment totalement l'esprit. C'est donc un mouvement extrémiste, territorialisé, à ne pas confondre avec l'islam. Ce qu'il faut rappeler ici en guise de simple éclairage, ce que l'islamisme et le djihadisme qui font aujourd'hui débat n'ont pas surgi isolément en marge d'une dynamique historique à plusieurs strates dans laquelle les politiques expansionnistes menées par l'Occident pays d'islam occupent une place considérable. Quoi qu'il en soit, l'émergence du djihadisme est bien postérieure à celle de l'islamisme. Elle coïncide avec deux événements majeurs qui sont liés, faut-il le souligner, au conflit israélo-palestinien. Le premier concerne les accords, la signature des accords de Camp David qui se sont soldés par l'assassinat du président Sadat. Le second concerne la décision israélienne de proclamer Jérusalem comme capitale d'Israël. L'échec des accords d'Oslo et l'invasion de l'Irak en 2003 ont fait le reste. Pour résumer, on notera simplement que le djihadisme est un extrémisme belliqueux qui n'a absolument rien avec l'islam et que ces manifestations ne peuvent être isolées ni des dérives mafieuses induites par la mondialisation, ni de la déstabilisation interne des États où il s'établit, ni de certains choix politiques faits au Proche et Moyen-Orient par les grandes puissances, ni surtout, on ne le répétera jamais assez, de la matrice historique du drame que vit le peuple palestinien depuis plusieurs générations. Aussi, pour circonscrire définitivement ce phénomène, il faut prendre en compte l'ensemble de ces facteurs qui le nourrissent, en faisant preuve d'innovation dans les approches et les systèmes de coopération en région méditerranéenne. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, face à l'énumération morbide des otages décapités, des hommes et des femmes qui souffrent, des enfants terrorisés, des civils morts ou blessés, des ruines qui s'amoncellent en Irak, en Syrie, en Palestine, en Libye, dans la zone du Sahel et peut-être ailleurs, demain, l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, qui représente des pays certes sécurisés, mais désormais pas totalement à l'abri, peut-elle attendre quelque chose des peuples de ces contrées périphériques meurtries? N'attendez rien, mesdames, messieurs, car ce sont ces peuples qui attendent tout de vous. Pour donner suite à cette attente, ne serait-il pas utile d'entreprendre un travail collectif de réflexion pour donner sens à une action collective? Dans ce cadre, quatre questions au moins, parmi d'autres, pourraient être débattues. Premièrement, la complexité grandissante de la situation n'autorise-t-il pas à penser que, dans de telles conditions, la démocratie imposée du dehors et du surcroît par la force reste sinon une utopie, du moins un idéal théorique bien difficile à atteindre par nos pays, tant que les Occidentaux ne se résolvent pas à plus de réalisme, en se rappelant aussi bien les enseignements de leur propre histoire que ceux d'une partie non négligeable de leurs éminents penseurs pour que les sociétés en développement, peuvent difficilement se gouverner de la même manière que les sociétés de consommation, sauf si l'on admet, contre toute évidence, que la politique est absolument autonome par rapport à son environnement socioculturel et à son environnement socio-économique. Deux, les initiatives méditerranéennes de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'OSCE, prises au cours de la dernière décennie du siècle dernier, sont-elles encore de nature à véhiculer de vraies solutions à des problèmes de sécurité qui ont tendance à s'aggraver et à se compliquer de plus en plus? Trois, les crises enchevêtrées qui marquent cette région, et peut-être pour longtemps encore, ne devraient-elles pas engager l'OSCE à se doter d'un organisme permanent d'études prospectives sur la sécurité en Méditerranée, dans lequel seront fédérées les expertises du Nord et du Sud méditerranéen, indispensables pour donner sens à une action commune? Et enfin, quatre, le moment n'est-il pas venu pour une introspection collective contre le décalage persistant
entre les déclarations de principe sur la nécessité d'une solution juste et durable au conflit israélo-palestinien et leur traduction concrète sur le terrain. Bref, le temps n'est-il pas venu, enfin venu, pour l'OACE, qui s'apprête à commémorer son 40e anniversaire, de rénover sa politique méditerranéenne de concert avec ses partenaires. Il devrait ainsi, avec eux, pour désamorcer les poudrières qui se trouvent à ses portes, à commencer par la plus ancienne d'entre elles, celle israélo-palestinienne, qui, à mains égards, conditionne toutes les autres. Permettez-moi de terminer sur ce sujet précisément en paraphrasant un grand Américain, Martin Luther King, pour dire « Rêvons qu'un jour, les petites filles et petits garçons israéliens et palestiniens pourront tous se prendre par la main comme frères et sœurs et s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. » Je vous remercie. Merci. Dans le cadre des interventions des partenaires, je donne la parole maintenant à Monsieur Abdessamad Ekar du Maroc. Merci, Monsieur le Président. Merci de nous avoir accordé cette chance pour participer à ce débat important. Je commence par dire que le terrorisme est un crime impardonnable. Permettez-moi de dire que nous devons tout d'abord analyser ce comportement et d'en chercher les causes. Il est légitime dans ce cadre de poser quelques questions. N'est-il pas le résultat immédiat du déséquilibre entre le Sud et le Nord sur tous les plans? N'est-il pas aussi le résultat du comportement de la société internationale envers des sujets, questions du monde arabe, tels que la question palestinienne, l'intervention dans l'Irak, etc. N'y a-t-il pas de relation avec les politiques des grandes forces économiques vis-à-vis des ressources et des fortunes des pays sous-développés et leurs peuples? La guerre occidentale non justifiée sur l'islam, n'y a-t-il pour rien? Nous devons répondre d'une manière sincère à ce genre de questions, non pas pour condamner tel ou tel État, telle ou telle personne, et non plus pour chercher des excuses aux criminels terroristes, ni pour justifier leurs actes criminels, mais pour changer ce qu'il y a à changer au niveau des politiques internationales. Monsieur le Président, chers collègues, permettez-moi de dire que toute approche ne tenant pas compte de l'aspect multidimensionnel de ces défis reste mineure, inefficace et sans aucun impact. Au contraire, elle peut générer d'autres formes d'insécurité et de terrorisme. Toute approche non basée sur le principe de l'équité entre les États et de leur responsabilité mutuelle reste handicapée. Toute approche basée sur la consolidation de l'amalgame islam-terrorisme ne fait qu'enrichir et alimenter les intentions du terrorisme et d'autres formes de criminalité. Et par la suite, toute stratégie qui a pour objet la guerre sur l'islam au nom de la lutte contre le terrorisme ne fait qu'accentuer le problème et aggraver la situation. Pour le Maroc, on a eu bien sûr notre part de ces crimes et notre capitale économique Casablanca était le théâtre d'actes terroristes lors des attentats de mai 2003. Mais ces incidents resteront isolés devant la vigilance de toutes les composantes de la société marocaine et des forces de l'ordre et des services de renseignement. Et c'est ainsi qu'on entend chaque fois de temps en temps, de dissociation de cellules qui peuvent avoir des intentions terroristes. Tout d'abord, la nature de notre société caractérisée par la tolérance, la pluralité, et la diversité des composantes culturelles et sociales interdisent d'accepter ce genre d'actes et de leur répétition. Bien sûr, la bonne perception et la bonne pratique de l'islam, qui est devenue une composante essentielle, de la personnalité marocaine à travers l'histoire, aussi bien sur le plan social que sur d'autres plans politiques, économiques et d'autres, est un deuxième facteur qui nous permet de refuser et de combattre toute forme de terrorisme. Au Maroc, la religion prend sa place dans notre vie d'une manière normale, douce et, je dirais, ordinaire.
Chez nous, le roi est le commandeur de croyants, aussi bien qu'il est chef d'État. Le champ religieux et la chose religieuse est bien réglementé et mis en ordre suite à des législations et des instances spécifiques, les oulamas, les conseils des oulamas, etc. En matière de gestion des affaires religieuses aussi, la politique du Maroc prise dans la nature même du régime marocain, fondée depuis plusieurs siècles, sur le fait que le chef de l'État, aujourd'hui Sa Majesté le roi Mohamed VI, prend sa légitimité de sa qualité de commandeur de croyants. L'islam est aussi bien une constante sacrée de la nation, aussi bien que le choix démocratique. On trouve cet attachement aux constantes de la religion sur lesquelles s'accordent unanimement tous les Marocains depuis plus de 10 siècles. Les constantes en matière de foi, de doctrine et de comportement spirituel sont des constantes que le Maroc partage avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Et ces fondamentaux communs servent de guidance aux imams et de source de référence aux magistrats du Maroc et dans ces pays. L'attachement aux fondamentaux demeure vivace dans les normes qui contribuent à leur réalisation dans toutes les ramifications et qui englobent le politique, l'économique et le social dans un style moderne en conformité avec la Constitution. Sur un axe parallèle, dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme, le Maroc a fourni beaucoup d'efforts aussi bien au niveau de la démocratie qu'au niveau du développement économique et social. Combattre le terrorisme nécessite aussi l'enlèvement de la pauvreté et de la précarité de leurs racines. Je souhaite aussi réitérer depuis cette tribune que notre pays, le Maroc, conformément à ses traditions et convictions, demeure entièrement engagé dans tout effort multilatéral ou bilatéral visant à combattre le fléau du terrorisme dans toutes ses formes. Ainsi, le Maroc a développé une dynamique importante avec ses partenaires africains dans des domaines liés notamment à la formation, au partage de renseignements et à la coopération, ce qui a permis d'étouffer dans l'œuvre d'un grand nombre de projets terroristes qui visaient dehors responsables de ces pays amis, ainsi que des intérêts occidentaux. À ce propos, l'approche multidimensionnelle au royaume en matière de lutte antiterroriste, dans la mesure où cette dernière ne s'appuie pas uniquement sur l'aspect sécuritaire, mais va au-delà pour trouver son expression dans une stratégie religieuse et spirituelle aboutie, visant la diffusion d'un islam qui prend les valeurs de tolérance, d'altérité et de juste milieu en toutes choses, ainsi qu'à travers un développement socio-économique inclusif qui place l'individu au cœur de ses préoccupations. Je vous remercie. Merci. Le débat est maintenant ouvert. Nous avons une longue liste d'intervenants. Aussi, je demanderai à chacun de respecter le temps qui lui est imparti, à savoir 3 minutes. Je vous demanderai donc d'inscrire vos interventions dans cette durée. Je donne maintenant la parole à Madame Edith Frey du Canada. Vous avez la parole, Madame. Thank you very much, Mr. Chair. I appreciate the ability not only to speak but to listen. I think the root causes of terrorism and the problems facing the Mediterranean region because of terrorism is not something that is simplistic. I've heard that today and I've heard it before. But I think the questions aren't really what we're hearing in terms of what the root causes are. The question is always, if I want to refer to one of the fables that we used to learn as a child, is it who will bell the cat? What is the solution? What do we do? I agree that violence begets violence and that violence will continue to this whole centuries-long feeling of hate and alienation. My big question is, I would really like to hear from the people or the nations of this region. Tell us what they see we can do. It's not easy to have
democracy occur, and I agree with that as well. Democracy takes time. Peace takes time. How do we start taking steps towards doing this? Because I do feel that this is a huge problem, not the least of which the women and children in these regions who grow up with a deep sense of alienation, with violence, with rape, with terror, and they grow up to be generations of people who carry this burden with them and want to react to it. We will always react in a survival mode to save our own people. So here are some really important questions, and I'm hearing these questions posed by the delegates from Morocco and from Algeria, but I really would like to hear us, as a group of the OSCEPA, talk very clearly with each other about what the true responses should be. Where do we start? How do we end violence and begin to deal with this issue in a long-term, realistic way? Thank you. Merci. Je donne maintenant la parole à Monsieur Stéphane Demilly de la France pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole en pensant aux 130 morts et aux 200 disparus du drame de Lampedusa, drame dont nous célébrons aujourd'hui le triste premier anniversaire. Mes chers collègues, la région méditerranéenne est un point de rencontre de plusieurs civilisations. Aujourd'hui, la situation des États qui la composent n'est pas homogène et deux situations correspondant à deux zones géographiques distinctes coexistent. D'une part, l'espace OSCE méditerranéen, qui est pacifique, il est certes confronté à des problèmes économiques, sociaux ou de reconstruction, mais ces difficultés sont susceptibles d'être réglées, notamment par la négociation. Et d'autre part, le voisinage de l'espace OSCE méditerranéen, qui lui, comme cela a déjà été dit, est troublé. En effet, les rives sud et est de la Méditerranée connaissent des situations fragiles, comme au Liban ou encore en Égypte, des guerres civiles, en Syrie ou en Libye, ou encore des guerres ouvertes comme en Israël et en Palestine. Ces problèmes relèvent peu de l'OSCE, mais plutôt de l'ONU, de l'Union européenne, de l'OTAN et de la Ligue arabe. Toutefois, un problème attire plus particulièrement notre attention, celui de l'immigration clandestine. Elle est due tant aux guerres civiles et ouvertes qui frappent le Moyen-Orient et l'Afrique, qu'à l'explosion démographique que connaît ce dernier continent africain. Aujourd'hui, personne ne peut nier que l'immigration légale ou illégale est devenue une question transnationale qu'aucun État n'est en mesure de résoudre seul. Désormais, cette question concerne tous les États, que ceux-ci soient des pays d'accueil ou de départ. Nous avons une responsabilité partagée et c'est pourquoi la coopération la plus large possible apparaît comme fondamentale. Cette concertation doit donc se faire tant entre pays membres de l'OSCE qu'avec les États partenaires de notre organisation de l'autre côté de la Méditerranée. C'est une question qui pourrait être utilement traitée par notre représentant spécial pour les affaires méditerranéennes. En matière migratoire, la situation du premier semestre de 2014 est très alarmante, quelle que soit la voie d'accès considérée, en Méditerranée centrale, orientale ou occidentale. En 2013, environ 107 000 migrants avaient été recensés. À la fin du premier semestre 2014, on compte déjà plus de 140 000 migrants. Aux côtés de ces chanceux, entre guillemets, il ne faut pas oublier ceux qui ont péri au cours de leur voyage, souvent effectués à bord d'embarcations de fortune ou surpeuplées. J'ai cité pour commencer mon propos Lampedusa, mais ce n'est qu'un drame parmi d'autres. Ainsi, pour les 7 premiers mois de 2014, on recensait plus de 800 morts. 2 mois plus tard, nous sommes passés à plus de 2900 morts pour l'année 2014. Je rappelle que, pour information, 600 personnes avaient trouvé la mort dans de telles conditions pour toute l'année 2013. Cela veut dire que le nombre de victimes a donc quintuplé et, vous le savez, l'année n'est pas terminée. Si l'on a pu constater une légère diminution du nombre de migrants au dernier trimestre 2013 en raison de la saison hivernale, le nombre d'arrivées a considérablement repris et cru au début de cette année pour atteindre dès le mois de mars en Italie et à Malte
le niveau exceptionnellement haut de l'été 2013. Les points d'entrée principaux demeurent l'Italie, la Grèce, la Bulgarie et l'Espagne. Au premier trimestre 2014, l'Italie a connu 7 fois plus de migrants illégaux qu'au premier trimestre 2013. La Grèce, 2 fois plus. À la fin du mois d'août, l'Italie comptait à elle seule 100 000 immigrants. Ils étaient, au cours du premier semestre 2014, principalement de nationalité syrienne, érythréenne ou encore malienne. Pour le second semestre de 2014, on peut redouter en plus, vous le savez, un afflux massif de migrants irakiens ou libyens. En revanche, une baisse générale des migrants aux frontières terrestres a pu être constatée, même si une exception mérite d'être relevée, Ceuta et Melilla, enclaves espagnoles au Maroc, qui ont vu une augmentation significative du nombre d'entrées clandestines. De nouvelles tendances ont également pu être constatées. Elles ont modifié l'aspect des migrations en Méditerranée et devront, en conséquence, induire un ajustement constant de nos politiques et des actions entreprises. En effet, l'augmentation des contrôles policiers dans certaines zones, par exemple à la frontière terrestre entre la Bulgarie et la Turquie, et les opérations Poseidon-Si ou encore Mare Nostrum, par exemple, obligent les passeurs et les migrants à adapter leurs routes migratoires. Dès que l'effort est porté sur une zone, les passeurs identifient rapidement la frontière moins protégée, susceptible ainsi de constituer une brèche, une porte d'entrée à l'immigration, et ils s'y engouffrent. En outre, le développement de la logistique et des capacités organisationnelles des passeurs, je pense notamment à l'utilisation des réseaux sociaux, rend leur appréciation plus difficile. La crise humanitaire que nous traversons, mes chers collègues, est générale et touche également les pays d'accueil qui, confrontés au lot massif de migrants, ne sont pas toujours en mesure de leur offrir des conditions d'hébergement dignes. La plupart des pays méditerranéens de l'OSCE font également partie de l'Union européenne. En l'absence de politique européenne commune d'immigration, concernant tant les conditions de séjour que les conditions de travail sur le territoire de l'Union européenne, les quelques États constituant les principaux points d'entrée de cette immigration sont seuls face au flot de migrants qu'ils ne peuvent pas juguler. Ils ne peuvent pas davantage les empêcher de rejoindre certains États du nord de l'Europe. Pour conclure, Monsieur le Président, l'amélioration de la situation migratoire en Méditerranée ne sera vraiment envisageable que lorsque la situation politique et économique des zones fuies sera stabilisée. Cela nous engage et nous oblige à approfondir notre coopération avec nos pays partenaires riverains de la Méditerranée afin de restaurer la sécurité dans cette zone. Merci de m'avoir écouté. Merci. Je donne maintenant la parole à Monsieur Kyriakos Adzianis de Chypre. Vous avez la parole. We wish to express our appreciation to the Swiss Parliament for their warm hospitality. The South-East Mediterranean region constitutes an explosive amalgam of older and new threats, changing geopolitical correlation and conflicted interests. At no point had international assistance been sufficient to relieve human suffering. Syrian refugees and displaced persons who now exceed 10 million, thousands of people fleeing the areas falling under the control of Islamic State in Iraq and Syria. The world is appalled by the atrocities that jihadists are committing against innocent civilians. Global alert is at its peak at the imminent threat of terrorist attacks by Western jihadists upon their return back home. Cyprus, for its part, is trying to deal the best way it can with the serious challenges caused by the continued Turkish military occupation of a part of its territory and Turkish overt threats against the sovereign energy rights of the Republic of Cyprus within its exclusive economic zone. Due to its proximity to the region, Cyprus has been particularly exposed to increasing illegal migratory pressures and now to the jihadist threat. Only a few days ago, Cyprus
has to carry out its first large-scale rescue operation of 345 Syrian refugees stranded aboard a trawler on their way to Italy. While Cypriot authorities are in contact with the UN and Frontex regarding further steps to be taken in line with international treaties, there are founded concerns about such tragic incidents multiplying. Upon information that Cyprus may be a target of potential terrorist attacks or a transit country of militants trying to reach the Turkish-Syrian border through the occupied area as under the Turkish military occupation, the Cyprus police and Cyprus intelligence service are in continuous contact with the EU respective authorities and other countries and international organizations. An operation plan has been put in place, which includes enhanced security measures on all sides more at risk on the territory under the control of the Cyprus government. Individual cases of potential jihadists who have been identified at the airports of the Republic have been repatriated. Moreover, the British base at Akrotiri is the takeoff point of the RAF fighter jets airstrikes against the Islamic State. The jihadists' tactical state building, their financing through legal and illegal channels, and their recruitment ability are alarming. Particularly so as their radicalization rhetoric targets young people indignant of injustice who leave their countries to wage their own jihad for a better life. UN Security Council Resolution 2178 and the growing US-led coalition stress the determination of the international community against this global threat. Yet, destroying the Islamic State as a political and religious entity is not about military action alone. The need is imperative for both a comprehensive and inclusive response. It is about assuming one's responsibilities for the state of affairs in the region. It's also about supporting Libya and other countries in their efforts to disarm armed militias and to achieve a peaceful transition to democracy. It is about solidarity so that disparate people no longer perish in the Mediterranean Sea. It is about trust and persuasion in efforts to engage moderate forces in the fight against extremists. Achieving political consensus beyond narrow agendas and double standards is the key to all this. The OSCE model must be that of inclusiveness upon shared principles and of substantial dialogue, declining interest in the work of the contact group in the absence of large-scale cooperation with Mediterranean partners. As Ambassador Nottele has recently pointed out, reaffirms the urgent need to regain momentum in our actions. Equally, the OSCE Parliamentary Mediterranean Forum has been losing focus. We must aim higher in our political vision, input and visibility vis-à-vis Mediterranean partners and the entire region. This is a significant challenge that we must take up in order to better serve the aim of Helsinki Plus 40. Thank you. Merci. Je donne maintenant la parole à Monsieur Bernard Sabella du Conseil législatif palestinien. Merci, Monsieur le Président. Je parle en anglais. Allow me first to say that I have the speech ready. A moment, please. Okay. Now, when we start talking about what happened in Gaza, it is very important to remember that we cannot go back to what was there before. And if we do not go on towards a political solution,
then clearly there will be a repeat again and again of the disaster we witnessed in Gaza. I just looked at the statistics that OCHA has given. OCHA is the organization, UN organization, that follows the humanitarian situation in the occupied territory. And I followed that and their statistics, and some of the statistics are really, overwhelming. Example, 2,131 Palestinians were killed during the Gaza war, of whom 1,473 were civilians, 501 were children, and 257 were women. UNRWA, which is the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees, places the number of those who seek shelter at its schools and centers at 110,000 as of September 4, 2014. 18,000 housing units in the Gaza Strip were destroyed, completely destroyed because of the war, and double that number because of partial destruction or damage. Now, when we look at what has happened in Gaza and related to the violence and extremism and terrorism that we see in the Middle East, we cannot separate the two. Unless there is a political solution and an end to Israeli occupation and all its measures and blockade, we will not be able to contain or at least play a diminutive role to the violence and extremism that goes on. And while some would argue that there is no relationship whatsoever, I think the wise people would argue otherwise. So the solution of the Arab-Israeli conflict, of the Palestinian-Israeli conflict, should be a factor in containing the phenomenon of extremism and violence in the Middle East. Not only that, but what happens in Palestine and Israel also reflects itself in Europe. And there is more and more anti-Semitism and more neo-Nazism in Europe, in part, and I wouldn't say the main reason, but in part related by some sick minds to what is happening in Palestine and Israel. And this is not acceptable. Your role, and you cannot go on with the position of considering Israel over and above the standards of international law and legality. Today, as we speak, Israel announced the construction of 2,000 housing units in East Jerusalem. A number of European states have expressed their objections, and one European state in particular has said that what Israel is doing would, in a sense, kill the option of a two-state solution. And clearly, continuing occupation and all kinds of Israeli measures, security and otherwise, would not bring us peace and would not bring peace to our children and Israeli children. Allow me to mention that Belgium, in specific, has called in the Israeli ambassador yesterday to voice objection over the destruction by the Israeli military of an electricity network in which the people of Belgium have contributed financially to construct in a village near Nablus in the northern West Bank. I laud this kind of European reaction.
And I think it goes on, and I'm speaking on behalf of the Palestinian delegation here, and certainly of our people. I think the role that Europe, some European states, is taking goes in the right direction. But more is needed in order to get Israel to respect international law and to abide by international resolutions that call for an end to occupation and the establishment of a Palestinian state with East Jerusalem as its capital. One European state reminded Israel just yesterday that the more expropriation of land, the more the building of settlements, there will be no option for a two-state solution. And therefore, we will end up in a conflict that would repeat itself. I just came from the Council of Europe, and there, in the plenary and in the Political Affairs Committee, I appealed to Israeli Knesset members who were present, and I asked them on behalf of the Palestinian delegation to try all efforts to make peace and to convince the present Israeli leadership and in specific, the present Prime Minister of Israel to move towards peace and not to move towards political ploys that think by advancing prospects of relationships with Arab countries, then the Palestinian issue can be put aside. I trust in your August Assembly moving forward in pushing peace prospects ahead. We are determined as a people to make peace. We love freedom. We love peace. We are a peace-abiding people. You are all invited to come to Palestine and see for yourself not only the destruction that happened in Gaza, but also the willingness of our people, of our mothers, of our elders in different communities in making peace. I hope that we will all work for peace. Thank you very much. Merci. Je donne maintenant la parole à Monsieur Ilya Kosnoulov, pardon, de la Russie. Спасибо, господин председатель. Уважаемые коллеги, мы все обеспокоены дестабилизацией ряда стран региона Ближнего Востока и Средней Азии. Ситуация в Ливии, Ираке, Сирии и Афганистане, на мой взгляд, является наглядным примером того, к чему приводят безответственные действия Соединенных Штатов Америки и их союзников в регионе. Североатлантическое сообщество хорошо научилось организовывать разрушения, убийства, свергать режимы под красивыми лозунгами о демократии, но, похоже, не умеет строить нормальную жизнь для простых людей в разрушенных странах. Это напоминает древний принцип «горе побежденным» и создает благоприятную почву для террористов и экстремистов. Так, в результате прямого военного вмешательства во внутриливийский гражданский конфликт в 2011 году с целью свержения режима Муаммара Каддафи в стране была разрушена вся система государственного управления, армия и органы правопорядка, а также разбалансированы межрегиональные и межплеменные отношения. Взамен не было построено ничего, что могло бы обеспечить населению хотя бы такой же уровень жизни и защиты прав человека, который был при Каддафи. Провозглашенный радикалами халифат на значительной части сирийской и иракской территории, где проживает более 5 миллионов человек, представляет собой угрозу ближневосточному региону, да и миру в целом. На подконтрольных территориях широко распространена практика массовых казней, внесудебных расправ, насильственного захвата чужого имущества. Все трудности Ирака на Западе предпочитают связывать с просчетами прежнего руководства страны и лично премьер-министра Малики. Однако при этом почему-то забывается, что перманентная нестабильность в Ираке воссорилась после вооруженного вторжения США в эту страну и в результате той недальновидной линии, которую американцы проводили в иракских делах после 2003 года. Когда мы говорим о расширении в Ираке зон подконтрольных боевикам исламского государства, очевиден один момент.
Такие успехи исламистов не были бы возможными без внешней финансовой и материальной подпитки. Сейчас военно-воздушные силы США наносят удары по позициям исламистов. Разумеется, в принципиальном плане участие любого государства в антитеррористической борьбе надо приветствовать. Вместе с тем, не может не вызывать вопросов тот факт, что в Вашингтоне предпочли не замечать террористического характера действий экстремистов, когда они активно и воевали, да и продолжают воевать против правительственных войск в Сирии. В таких обстоятельствах особую актуальность приобретает задача консолидации и координации региональных международных усилий в борьбе с терроризмом. Здесь не должно быть места для двойных стандартов, поскольку терроризм является абсолютным злом. Координация усилий по противодействию террористам должна вестись на прочной международно-правовой основе под эгидой ООН. Каких принципов и придерживается Российская Федерация? Спасибо. Merci. Je donne maintenant la parole à Monsieur Paul-Victor Dobré de la Roumanie. Merci, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ladies and gentlemen, in the context of the threats posed to global security by terrorists and other non-state actors, Romania stresses the importance of United Nations Security Council Resolution number 2178. Adopted last week regarding threats to international peace and security caused by terrorist acts, initiated by United States and co-sponsored by Romania. This co-sponsorship reconfirms Romania's commitment and firm support to fighting terrorism worldwide. The abominable acts committed by the Islamic State in Iraq and in Syria are strongly condemnable. IC represents a new dimension of radical Islam with a risk of long-term impact. The emergence of Islamic State should be assessed as a non-state actor which generated a wider impact beyond Iraq and Syria, posing a greater threat on the European territory as well. Romania will continue to remain a reliable partner in supporting the democracy and freedom around the world. We have constantly rejected terrorism, and our commitment towards stability and security was plainly proved together with our strategic allies in both Iraq and Afghanistan. As a matter of principle, Romania is willing to join the international coalition against Islamic State. We are currently assessing the concrete ways we could grant support to United States-led coalition against IC based on specific needs and in close coordination with our allies. Today, a joint international effort to fight terrorism is more important than ever. We welcome the Assembly's initiative, the Helsinki Plus 40 project, and we are very interested in the conclusion of the first seminar that took place in Moscow last week. We hope that this project can add substantive value to the framework of activities of the OSCE in the context of these new and persisting security challenges. Romania strongly supports the strengthening of OSCE capacity in the conflict cycle and reaffirms our goal to enhance the organization's ability to prevent and react to conflicts and crises in the OSCE area. Thank you for your attention. Merci. Je donne maintenant la parole à Madame Rabiat Aslanova de l'Azerbaïdjan. Vous avez la parole, madame. Спасибо, господин председатель. Уважаемые коллеги, позвольте поблагодарить организаторов сегодняшнего обсуждения. Средиземноморье, конкретные страны, входящие в Средиземноморье, это колыбель цивилизации, где создавались шедевры мировой культуры. Средиземноморье дало миру и человечеству очень много ценного. Однако, к сожалению, сегодня эта территория превратилась в пространство раздора, конфликтов, войн и разногласия.
Процессы, происходящие на Ближнем Востоке, беспокоят нас всех. На парламентской ассамблее ОБСЕ мы не раз возвращались к данной проблеме. С начала процессов на Ближнем Востоке прошло немало лет, однако ничего не изменилось. Уничтожаются города, умирают люди, увеличивается количество мигрантов, которые покидают свои места жительства, нарушаются права человека, право на жизнь. Многие международные организации, включая Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, не раз обсуждали эту проблему на Востоке, проблему террористических актов, проблему мигрантов, ищущих спасения в странах Запада. Нам, азербайджанцам, хорошо известно, что это такое. Более 20 лет продолжается Нагорно-Карабахский конфликт, в результате которого 1 миллион азербайджанцев превратились в беженцев. Разрушены наши города, уничтожаются исторические достопримечательности, экологический и биологический террор происходит в этих странах. Армянские террористы совершили более 30 террористических актов на территории Азербайджана, в результате чего погибло более 2000 человек. Можно много говорить об экологических и биологических террорах, совершаемых армянскими террористами на территории Азербайджана. Несмотря на многочисленные обсуждения данного вопроса, конфликт не разрешен, и поэтому беженцы не могут вернуться на свои земли. Неужели беженцам из Ближнего Востока придется тоже ждать 20, 30 и 40 лет? Не вернутся ли они? Сумеют ли восстановить свои территории, свои города, те исторические достопримечательности, которых уже нет, стерлись с земли? Нам надо обсуждать следующие вопросы. Кто вооружает террористов? Какого происхождения те вооружения, которые используются террористы именно на этой территории? Кто финансирует наемников и террористов? Мы знаем, что террористические группировки, действующие с определенными целями в одной стране или регионе, получают силу и поддержку от групп и в других странах или регионах. Террористы действуют сообща и в финансировании, обмена информацией, материально-техническом обеспечении, планировании и исполнении террористических актов. Благодаря взаимной поддержке и динамичной сетевой структуре террористическая угроза в наши дни стала реальностью во многих странах мира. И главное, кто и какие силы заинтересованы в продолжительности этих процессов, которые происходят на Ближнем Востоке. Даем ли мы себе отчет о продолжительности этих процессов, что эти процессы в конечном итоге приведут к самым тяжелым последствиям и не только в данном регионе, но и во всем мире. Известное изречение «Промедление смерти подобно», кажется, себя оправдывает. И страны, которые обеспокоены миграционными потоками, должны более конкретно и рационально подойти к данной проблеме. Мир на Востоке, спокойствие на Среднеземноморье должна быть восстановлена. Это в интересах всего мира. И в конце я хотела бы рассказать маленькую историю о том, что, бывая в Ираке, я востоковед, прекрасно знаю историю всех стран, бывая в Ираке, я увидела то исторические достопримечательности, которые относятся к 5-му тысячелетию до нашей эры. И по возвращении в Азербайджан я услышала, что террористы взорвали эти исторические достопримечательности. Они стерли с лица земли эту историю. Это историю мировой достопримечательности, мировой культуры. Поэтому надо нам думать, неужели мы хотим забыть свою историю, забыть все, что было накоплено человечеством в течение всего этого периода. Спасибо, друзья. Merci, madame. La parole est maintenant à madame Isabelle Pozuelo de l'Espagne. Gracias, presidente. Hemos estado escuchando muchas intervenciones analizando la situación en el Mediterráneo y en Oriente Medio, intervenciones del máximo interés, sobre todo las que vienen presentadas por los representantes de las asambleas parlamentarias de estos países, de Marruecos, de Argelia, del Consejo Palestino. Decía una de nuestras colegas en una intervención anterior que una de las cosas más importantes era escuchar a los países que sufren una situación de violencia,
de conflicto y de amenaza terrorista para saber cuál es realmente el problema al que tenemos que enfrentarnos. Y hoy ha sido realmente interesante poder escucharlos a ellos. Y no, yo creo que la primera lección o la primera consecuencia que podemos sacar de la intervención, de las palabras que nos han transmitido, es que no todas las situaciones son las mismas. El actual conflicto que están requiriendo una intervención militar contra el Estado Islámico en Irak y en Siria es una parte importante del conflicto militar, pero también hay una situación de riesgo de terrorismo en Centroáfrica, en la zona del Sahel y en el África subsahariana, que es además de donde provienen la mayor parte de las migraciones a las que se referían mis anteriores colegas también cuando hablaban de la conmemoración o la coincidencia de que hace un año hubo el gran desastre de Lampedusa. Todos los países mediterráneos que estamos en la cuenca del Mediterráneo conocemos muy bien estas situaciones. Esas migraciones proceden sobre todo de países en guerra y de países subsaharianos. Y la solución definitiva está en ir al origen del problema, no solamente a la contención a las puertas de Europa, en España, en Italia, en Grecia, en Chipre, de estas migraciones, sino que toda Europa y toda la comunidad internacional trabaje de manera esforzada por conseguir un desarrollo económico y pacífico en estos países de origen que son ahora mismo foco del terrorismo internacional, del terrorismo yihadista. La evolución en los países del norte de África es muy distinta. Hemos conocido la evolución de Egipto con un golpe militar, una aprobación de una nueva constitución, el paso a la clandestinidad de los hermanos musulmanes, que ha iniciado un nuevo camino que habrá que ir observando con mucha precaución. La situación de Marruecos, como bien decía nuestro colega, y como bien conocemos en España y especialmente en Andalucía, la región de la que yo procedo, por la cooperación intensísima que se lleva que tiene España con Marruecos y con Argelia, es una evolución verdaderamente ejemplar, igual que la tiene Túnez, que desgraciadamente pues no ha podido estar su representante en esta reunión de nuestra Asamblea Parlamentaria. Son evoluciones pacíficas, democráticas, de grandes reformas que pueden significar un ejemplo que hay que apoyar por parte de la comunidad internacional y especialmente de nuestra Asamblea Parlamentaria. El representante de la Asamblea del Consejo Palestino nos ponía de manifiesto también el desastre que ha sufrido con los bombardeos sistemáticos la población civil, el número de víctimas civiles en la última guerra, en el último conflicto entre Irak y Palestina. Y ponía de relieve algo que creo que nos puede hacer reflexionar. Hechos como este y el que no se resuelvan estos conflictos hace que no solamente en Oriente Medio y en el Mediterráneo se acentúen estos problemas, se acentúen los conflictos, sino que también en la propia Europa hace que crezca el antisemitismo, algo que debemos de luchar seriamente contra él. Pero yo quería terminar mis palabras, porque es muy poco el tiempo y seguramente ya me he pasado, en hacer un llamamiento a la Asamblea Parlamentaria de la OCDE. Creo que la Asamblea Parlamentaria tiene que dar un impulso político muy importante. Tenemos que tomar la iniciativa política. Hemos escuchado a los socios de la Asamblea Parlamentaria, a los socios del Mediterráneo, decir que no solo las soluciones militares valen, las soluciones militares tienen su tiempo, pero para conseguir una paz justa, duradera, como dice la propia resolución de Naciones Unidas sobre Palestina y sobre el resto de los países, hace falta el diálogo, la conversación, el diálogo y el acuerdo político para avanzar en el desarrollo económico posterior de estos países que aseguren una paz duradera y un tránsito democrático de estos estados. Creo que la Asamblea Parlamentaria debe mirar también hacia el sur, de manera muy insistente, porque ahora mismo es el foco, lo ha sido a lo largo de años, pero sigue siendo un foco de crisis muy grave en todos los ámbitos. Por lo tanto, yo pido ese esfuerzo importante a la Asamblea Parlamentaria y esa iniciativa política que siempre nos ha respondido,
para que trabajemos en ese sentido. España, como ustedes saben, tiene una especial sensibilidad, ha presidido el grupo 5+5 que se ha reunido, el grupo de contacto que se ha reunido recientemente en Madrid, el foro de la Unión por el Mediterráneo que tiene su sede en Barcelona, etcétera, etcétera, y por toda su historia y tradición es un país que conoce, que comprende y que está dispuesto a trabajar muy seriamente por lograr la paz y el desarrollo en la cuenca del Mediterráneo. Gracias, presidente. Merci. Merci. Je donne maintenant la parole à Madame Doris Barnett de l'Allemagne. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt in der Tat viele Probleme, die wir auf dem Tisch liegen haben und für die wir keine sofortigen Antworten parat haben. Das wird auch schwierig werden, weil die Interessenlagen so verschieden sind. Zum Beispiel im palästinensischen Konflikt ist natürlich auch die Sache, dass jetzt heute und die Tage Israel nicht da sein kann, um seine Position vorzutragen, weil sie Feiertag haben. Soviel ich weiß, haben auch Palästinenser Feiertag. Deswegen, ich glaube, es wäre ganz, ganz wichtig für alle Seiten, auch für diejenigen, die helfen wollen, den Konflikt zu lösen, dass endlich Israel als Staat anerkannt wird von allen, auch von den konfliktführenden Parteien. Dann müsste es möglich sein, dass man endlich auch mit besonderem Nachdruck hier für Lösungen sorgen kann. Die Bilder aus dem Gazastreifen, die machen mich auch verrückt, wenn ich die am Fernsehen sehe. Denn sie zeigen ein Elend von der Bevölkerung, wo einem das Herz brechen muss und wo man wissen muss, so kann es nicht weitergehen. Und deswegen, es trifft ja immer die Falschen, ob das die drei Jugendlichen, die drei Schüler aus Israel waren, ob das die Jugendlichen, die Kinder, die Frauen aus dem Gazastreifen sind. Aber ich glaube in der Tat, erst wenn sich alle anerkennen, gegenseitig anerkennen, auch als funktionierenden Staat nach völkerrechtlichen Grenzen, dann kann eine Lösung gefunden werden. Dann die ganzen Flüchtlinge. Es wurde auf Lampedusa hingewiesen. In der Tat ist es schlimm, dass jetzt immer noch Menschen sterben müssen, weil wir keine Lösung haben auf die Probleme in ihren Ländern. Wir versprechen zwar, dass wir Hilfe schicken, dass wir dafür sorgen, dass sie in ihrer Heimat bleiben können, aber so richtig greift das nicht. Und wenn wir nicht aufpassen, dann haben wir bald eine Welt der Entwurzelten. Und was das für die sogenannte zivilisierte Welt bringen kann, wissen wir alle in unseren Heimatstaaten, die jetzt dafür sorgen, dass wir mehr Flüchtlinge aufnehmen. Aber die Aufnahme von Flüchtlingen kann nicht die Lösung sein. Im Gegenteil, wir müssen alles daran setzen, dass die Menschen in ihrer Heimat bleiben können. Aber wie kann man solchem auch fanatischem Wahnsinn entgegenwirken? Da hilft langfristig, also in 14 Tagen kriegt man da nichts hin, aber langfristig hilft da nur eines, dass wir als die zivilisierte Seite alles tun, dass auch die Menschen in ihrer Heimat bleiben können, dass auch bei ihnen ein gewisser Wohlstand einkehrt, dass sie Bildung haben, dass sie Infrastruktur haben, dass sie medizinische Versorgung haben, dass sie von ihrem Acker auch leben können, dass sie Handel treiben können. Wenn das nicht mehr möglich ist, weil andere Interessen überwiegen, weil Landnahme einfach ohne Recht und Gesetz geschieht, weil die Rohstoffquellen einfach weggenommen werden und auch unser Westen mit zum Teil davon profitiert, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Menschen dann radikalen Ideen einfach leichter zuhören. Der arabische Frühling, auf den haben ja viele gesetzt. Aber ich glaube, wir haben nur wie der berühmte Hase vor der Schlange hier im Westen gewartet, was daraus wird, statt ihn ein Stück weit zu begleiten. Jetzt kann man die Zeit nicht zurückdrehen. Wir müssen aber alles dafür tun, dass die Staaten, die jetzt trotzdem es geschafft haben, wie auch Tunesien, wie Marokko, wie Algerien, dass die helfen als Ankerpunkte, jetzt die anderen Länder mit langsam wieder aufzubauen. Und vielleicht, wenn man diese Länder stärker unterstützt,
auch in ihren Bemühungen und sie tatsächlich als die Vorreiter nimmt und nicht andere sich aussucht, dann denke ich, kann es gelingen. Aber das bedeutet auch, dass wir Ressourcen, sprich Mittel, sprich Geld, halt zur Verfügung stellen müssen. Was ich finde, ist immer noch besser, als einen weiteren Flüchtlingsstrom zuzulassen. Das wäre für mich die schlechteste Lösung, die Menschen nur zu vertreiben, nur wegzulassen. Also wir sollten uns auch als Besten darauf verständigen, die Staaten, die es einigermaßen geschafft haben, hier vernünftige Strukturen, sie müssen ja nicht so komplett und funktionieren wie demokratisch wie bei uns jetzt allen, aber die ersten Schritte dahin, dass wir die Staaten wirklich mehr unterstützen, ihnen zuhören und vielleicht auch Lösungen wählen, die sie uns vorschlagen, die nicht so mit unseren Idealen übereinstimmen, aber die doch immerhin besser sind als das, wenn wir nichts tun, nämlich weitere Menschen sterben müssen oder sich auf den Weg nach Europa oder sonst wohin begeben. Deswegen hören wir denen zu, die gute Erfahrungen gemacht haben, die ihren Weg gemacht haben, und lernen wir auch von den Ländern, wie man Probleme lösen kann. Vielen Dank. Merci. Je donne maintenant la parole à Monsieur Artazm Gegamian de l'Arménie. Уважаемые коллеги, Средиземноморский форум Парламентской Ассамблеи ОБСЕ имеет исключительно важное значение для армянской делегации, потому что в этом ареале проживает более 700 тысяч армян. Пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность правительствам Греции, Кипра, Италии, Франции, Испании, Португалии, Алжира, Марокко, Ливии, Ливана, Сирии, конечно же, Иордании, Палестины и Израиля за то, что законопослушные граждане в этих странах армянского происхождения полностью влились в общественную политическую жизнь указанных государств. Честно говоря, меня очень встревожило выступление азербайджанского коллеги по той простой причине. Мне показалось, что сегодня здесь, в этой авторитетной аудитории, азербайджанская делегация должна покаяться. Покаяться за то, что буквально 10 дней назад в Азербайджане судили 25 боевиков ИГИЛ, руки которых по локоть в крови. В крови американского журналиста обезглавленного, французского, английского, сотни тысяч мирных граждан Сирии и Ирака, наших друзей, езидов, которые подверглись геноциду. И вовсе не случайно, что девизом парламентской делегации Азербайджана является наглость, ложь и дезинформация, второе счастье. Но разговор не об этом. 24 марта, выступая на форуме World Forum Convention Center в Гаге, президент Республики Армения Серж Саргсян выразил глубокую обеспокоенность по поводу имеющих место развития в Кесабе, в Сирии. Мы все прекрасно помним историю Кесаба, которая, к сожалению, за последнее столетие полна адских реалий о депортации армян. Первый тяжкий удар по Армении, по армянам, проживающим там, пришелся на 1909 год, когда имело место вторжение турецких отрядов, и армяне нашли убежище в горах гора Турана и на побережье. После того, как турки предали огню Кесаб, они направились в сторону гора Турана, сожгли и ограбили дома верхних кварталов, и Армении на французском судне, пользуясь случаем, в очередной раз выражая благодарность этой великой стране Франции, которая не раз спасала армян во время геноцида армян в Османской империи. Обратившись к историческим реалиям, тогда же президент Армении упомянул 1915 год, когда более 1,5 миллионов армян вырезали, а чудом уцелевшие нашли приют в странах с мусульманским вероисповеданием. И там более столетий живут в мире и в согласии с местными народами. Я не случайно об этом говорю, а говорю о том, что
Нет никаких разграничений по конфессиям, которые должны стать причиной войны, которые должны стать причиной мира. Но исключительно важно, чтобы мы осуждали каждый варварский поступок. Я уже не говорю о фактах геноцида. Будь то армян, будь то езидов и ассирийцев, свидетелями которых сейчас являемся мы. Буквально 10 дней назад подвергся варварскому уничтожению храм, армянский христианский храм, церковь святых мучеников Терзори, где покоятся останки многочисленных жертв большой резни. Я не случайно упомянул об этом. Я упомянул по той простой причине, что ровно 2 года назад в Тиране, буквально в последний день сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, наспех была озвучена резолюция, где были хвалебные речитации в адрес Турции, что они ведут очень конструктивную работу на сирийско-турецкой границе. Тогда мною было высказано озабоченность и обеспокоенность, что это никто не иной, а как исламские террористы. Прошло 2 года, и сегодня Турция вынуждена сама через свое великое национальное собрание принять решение о возможном вводе сухопутных сил именно в тех регионах, именно против тех сил, которых сама же вооружала в течение последних 3 лет. Заканчивая свое выступление, хотелось бы обратить внимание коллег на следующий факт. Мы находимся в преддверии заключения 40-летия со дня заключения заключительного Хельсинкского акта по безопасности и сотрудничеству в Европе. И наша цель вовсе не стремиться вводить в заблуждение аудиторию, а постараться поразмыслить, что же тогда 40 лет назад нашли общего руководители и лидеры наших стран, которые заключили этот акт и который позволил миру жить в более-менее хороших условиях. И напоследок, хотелось бы коллегам из Азербайджана посоветовать перенять опыт Армении о работе с неправительственными организациями, чтобы не удостоиться очень справедливой критики президента Америки Барака Обамы, который сказал буквально неделю назад, что в Азербайджане ни одна неправительственная организация не может нормально функционировать. И, наконец, освободите десятки безвинно заключенных борцов за права человека. Спасибо. Merci. Avant de donner la parole à Monsieur Adonis Georgiadis de la Grèce, je voudrais rappeler nos amis, bien que la parole soit libre dans notre organisation de sécurité pour la coopération en Europe, et au niveau de l'Assemblée parlementaire, je voudrais appeler nos collègues à recentrer leurs interventions sur les problèmes méditerranéens. Je donne donc maintenant la parole à Monsieur Adonis Georgiadis. Thank you very much, Chairman. First of all, I want to express a great thanks to the Swiss Parliament for this great hospitality. And I want to remind that the Greek government always supports all the efforts for the dialogue and the cooperation of OECD with the Mediterranean partners. We really want to express our will in the field of the maritime safety, because we think that through this sector we can have a safer maritime environment, which is crucial to the economic development. We want to express also our great concern about all the destabilization of our neighborhood, especially after the so-called Arab Spring and what happened to the countries that went through this experience. We have great concern about all the refugees and the immigrants that maybe have to leave their countries because of all the bad things that are happening there. And of course, I want to remind that Greece is always fully support the world effort against terrorism. The Greek government supports the efforts against the ISIS terrorist Islamic radical state,
and we want to see the whole community to help in this field. We totally understand the tragedy in Gaza. All Greek people are really suffering from the images of the killed children and the collapsed school. But we always wanted to express that we understand that Israel must defend itself when rockets explode in their territory. So we think that dialogue and the understanding between states would be the better way to solve these problems and not accuse one each other, but find a way to a peaceful future for everybody of us. Thank you very much. Merci. Je donne maintenant la parole à Madame Marietta Tidei de l'Italie. Vous avez la parole, Madame. Sì, grazie Presidente. Io anch'io desidero ringraziare i colleghi svizzeri per l'ospitalità e anche per gli organizzatori di questo forum, perché credo che mai come in questo momento le questioni dell'interdipendenza euro-mediterraneo debbano essere centrali nell'agenda politica di molti paesi, così come della nostra assemblea, che è prima di tutto luogo di dialogo e di confronto. Il Mediterraneo è un insieme di civiltà diverse che da sempre dialogano e convivono. Alle volte, purtroppo, dialogo e convivenza, specie quando non sono sostenute da continuità e piena convinzione, si incrinano, rimandandoci l'immagine di un Mare Nostrum pieno di divisioni e di conflitti. E anche l'OSCE deve guardare sempre di più al Mediterraneo come un'area in cui il dialogo va necessariamente ripreso e le fratture vanno necessariamente ricomposte. Perché, lo hanno ricordato in molti di coloro che sono intervenuti, non può esistere la sicurezza dell'Europa senza la pace e la stabilità democratica nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Spesso i paesi europei in passato hanno privilegiato rapporti di tipo bilaterale tra i singoli paesi. Eppure le istanze politiche, come la primavera araba, i rinnovati flussi migratori che si tramutano periodicamente in tragedia nel canale di Sicilia, in molti hanno voluto ricordare giustamente che proprio un anno fa più di 300 migranti perdevano la vita al largo di Lampedusa. Le emergenze umanitarie che seguono le guerre hanno bisogno come controparte di una politica comune proprio a livello europeo, di una condivisione delle finalità e di una collegialità degli strumenti operativi. L'Europa, io credo, debba recuperare uno spirito unitario nei rapporti con gli altri paesi del Mediterraneo e l'OSCE può e deve mettere a disposizione del processo di dialogo e distensione tutta la sua capacità, la sua esperienza e le sue risorse umane. Europa ed OSCE, a mio avviso, da questo punto di vista dovrebbero viaggiare su due binari paralleli. Guardate, le questioni sono molte, coloro che sono intervenute le hanno ricordate tutte, però io desidero in questa sede richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla questione palestinese, che ha visto una riacutizzazione dallo scorso giugno. È una questione che minaccia ulteriormente la stabilità di un'area già fortemente infiammata, si ricordava prima l'ISIS, la Siria, la Libia. E vedete, la questione palestinese vive purtroppo in un cono d'ombra mediatico da cui viene tragicamente strappata solo in occasioni di eventi eccezionali, come i bombardamenti di Gaza, è stato ricordato, hanno causato la morte di più di 2.300 persone. Eppure la Palestina è sempre lì. E giorno dopo giorno si consuma in questa martoriata terra il dramma di due popoli che non riescono a convivere. Periodicamente, quando i media rispolverano il problema sulla base di gravi fatti di sangue, tutti invocano la pace, ma la pace non basta invocarla. La pace va costruita con determinazione e con un lavoro ininterrotto. La tregua attuale, faticosamente raggiunta, anche grazie alla mediazione egiziana, non ha risolto i nodi politici alla base delle tensioni, lo ricordava prima il collega palestinese, e rischia di rivelarsi temporanea e transitoria come in molti altri casi precedenti. Io credo vada affrontato una volta per tutte con forza il problema degli insediamenti dei coloni, attraverso i quali territori a sovranità palestinese vengono lentamente ma costantemente erosi. E non si può non affrontare il problema delle condizioni di vita dei palestinesi, nella striscia di Gaza ma anche in Cisgiordania. Ma credo che con altrettanta forza vada posta la questione del rispetto della sovranità e della sicurezza della striscia di Gaza. Recentemente il Parlamento italiano ha votato un ordine del giorno con cui chiede al governo italiano di impegnarsi per verificare la percorribilità della possibilità di creare una forza internazionale di pace e di monitoraggio dei confini sul modello della missione UNIFIL in Libano.
una forza da dispiegare sul territorio della striscia di Gaza con l'obiettivo di assicurare la tregua, consentire il disarmo delle milizie e riaprire valichi di frontiera. La stessa Unione Europea, nelle conclusioni del vertice di giugno, si è detta disposta a contribuire alla soluzione della crisi di Gaza, ripotenziando, se necessario, la missione europea EUBAM al valico di Rafah. Io credo che il Medio Oriente sia la chiave di volta della sicurezza nel Mediterraneo e la crisi in Ucraina è il segnale che l'OSCE costituisce un pilastro per la sicurezza in Europa, ma è tempo di rafforzare la sua dimensione della cooperazione mediterranea, oltre a quella più tradizionale eurasiatica, perché la sicurezza in Europa è strettamente legata alla sicurezza del Mediterraneo, che rappresenta un'area ricca di sfide, ma anche di opportunità. Il terrorismo e la questione migratoria rendono inevitabile l'interdipendenza euromediterranea, dalla quale possono nascere anche grandi opportunità di cooperazione in settori cruciali, quali la capacity building, il rule of law, il women empowerment. E io credo che sia giunto il momento di raccogliere queste sfide e di cogliere dove possibile queste opportunità. Grazie. Merci, madame. Je donne maintenant la parole à Monsieur Percy Dawn du Canada. Thank you, Chair, colleagues. Our panel discussion today underscores the serious nature of the challenge we face in the Middle East and North Africa. Within the regional context, the armed conflict in Syria has continued unabated, leaving human misery in its wake. As we know, this crisis has been an ongoing concern for the OSCE, which is reflected in the resolutions adopted at the annual session in 2013, calling for action to safeguard international and regional peace, security, and stability. In 2014, it seems as if the violence and destruction in Syria has only intensified. We also know that the war in Syria continues to impact countries in the Mediterranean region. In addition to the human dimension, this crisis has generated concerns regarding the potential for destabilization in the region. Here, I would like to devote particular attention to the situation in Lebanon. In recent months, fighting has occurred near Syria's border with Lebanon, and in early August, the conflict spilled into Lebanon when attacks were carried out by violent extremist groups from Syria against Lebanese forces. This summer, the UN humanitarian coordinator in Lebanon noted that approximately 12,000 new refugees were crossing into Lebanon every week. He indicated that the total number of refugees in Lebanon could reach 1.5 million by the end of this year. That, colleagues, is a staggering figure. We must realize that it would be the equivalent of around one-third of Lebanon's population. There is a growing awareness of the pressure that has been placed on Lebanon's communities and authorities and the strains on available public service, housing, and employment. There are indications that tensions may be growing between some host communities and the refugees. It is clear that as parliamentarians, we must continue to work with our governments and the international organizations and civil society groups that are vital to the relief effort to ensure that not only the refugees and communities get the support that they need, but that we support the government of Lebanon in its efforts to deal with this massive influx of refugees. I would like to conclude by acknowledging the significant efforts that have been made by the OSCE participating states and the Mediterranean partners to provide much-needed efforts and assistance and to accommodate and provide protection for so many who have been forced to flee the violence in Syria. Thank you. Merci. Je donne maintenant la parole à Monsieur Godfrey Farrugia de Malte. Vous avez la parole, Monsieur Farrugia. Thank you, Mr. President. I want to highlight one facet that has not been given due importance. One major facet of this multidimensional challenge that bordering Mediterranean countries do face is the present instability in Libya, a country which has been sparsely mentioned in this forum. It is of paramount importance that OSCE will be more proactive in finding a long-term solution, not only to help Libya directly to build
national peaceful consensus and gain socio-economic stability, but also to be more humane, to seek a plausible, realistic mechanism to counteract and help the numerous irregular immigrants, even those coming from the sub-Sahara Africa, that use Libya as a transient country to gain access to the EU. Malta, a small nation state, is an exemplary giant to much bigger nations in its initiatives to help this cause. It is high time that we identify the real problems, and I want also to take this opportunity to express my gratitude to Italy for its leading role. I was expecting a more healthier and specialized debate that really identifies the root causes of jihadism and irregular immigration, which are primarily destabilizing factors not only to the Mediterranean countries, but to all OSCE members. I thank you. Merci. Je donne maintenant la parole à Madame Muradova Bahar de l'Azerbaïdjan. Vous avez la parole, Madame. Спасибо, господин председатель. Моя страна поддерживает позицию всех стран для пресечения и наказания лиц, которые участвуют в боевых действиях и террористических актах в Ближнем Востоке. И считает, что мы должны в корне уничтожить всякого рода экстремизма, проявляющегося себя на разных частях мира. Тот факт, к которому апеллирует господин Гигамян из Армении касательно осуждения бойцов ИГИЛ в Баку, на самом деле указывает на правильную работу судебной системы в Азербайджане. Я бы на месте господина Гигамяна осудил тех, кто совершил расстрел его коллег в парламенте Армении, и тех, кто ими управлял ради захвата власти. Азербайджан может служить примером светского мусульманского государства, страны, противодействующей экстремизму и терроризму в деле. Я думаю, не только лица, участвующие в боевых действиях, должны считаться опасными для других частей мира. Мы должны обратить внимание и на другие аспекты проблемы. Считаем, что лица, переселенные из этих ближневосточных стран на территории стран-участниц ОБСЕ, должны быть детально анализированы. Так как Сирия является основной страной, где идут ожесточенные бои, и переселенные люди могут сами участвовать в акциях террора. Есть потенциал их участия в террористических акциях и против стран-участниц ОБСЕ. Эта проблема нас очень волнует. Как вы знаете, Армения всячески принимает меры по переселению и размещению этнических армян Сирии на оккупированных территориях Азербайджана. Эти факты еще нашли свое отражение и на наших документах. Так как основные террористические организации армян были основаны на территориях Сирии и Ливана, лица, переселенные, могут быть членами таких организаций, как АСАЛА, которые могут быть очень опасными для нашего региона с вами и страны. Думаю, мы должны принимать меры для предотвращения таких переселений и незаконных размещений на оккупированных территориях сирийских армян. Тем более это противоречит нормам международного гуманитарного права и препятствует возвращению азербайджанских переселенных лиц в свои родные дома. Учитывая, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ несколько раз призвали прекратить изменение демографической структуры оккупированных территорий, подчеркнув это, что продолжение подобного положения может серьезно усложнить мирный процесс. Считаем необходимым повторить, что разрешение ситуации в Сирии, включая его гуманитарные последствия, не должно ни в коей мере осложнять ситуацию в различных частях мира, в том числе в Азербайджане. Спасибо за внимание. Merci, madame. La parole est maintenant à monsieur Леонид Суцкий de la Russie. Monsieur Суцкий n'est pas là. Je passe donc la parole maintenant à monsieur Giorgos Varemenos de la Grèce.
Thank you, Chair. Dear colleagues, I think that all of us here agree that the tumultuous situation in wider region in Middle East is a real threat toward the stabilization of the whole area, increasing in the same time huge waves of immigrants. May I ask something? Do you believe that this is a common problem? Do you agree that we have to share this problem and don't to push the burden in the neighbor countries as Cyprus, Greece, Malta, etc.? I believe that we have to respond concretely to this question. The other issue is that the combat against extremist jihadists should not be developed in a way to give the impression that it is a confrontation between different civilizations and religions, feeding by this way the extremists with new volunteers from many directions. When someone gives arms to the extremists in order to fight against Assad or another one, it's sure that in the future, these extremists will turn against him. In my opinion, we have to face the real roots of the serious problems. I support the examination of the Palestinian request to be a member of Mediterranean Partners of the group of of OSCE. And for this, we have to achieve a consensus between countries members of the organization. We support any action in order to impose the international law in Palestinian-Israeli conflict. In my opinion, our sensibility for the international law should not be eligible. Thank you. Merci. Je souhaite remercier tout particulièrement les membres de notre Assemblée parlementaire qui, ce matin, ont participé au Forum méditerranéen. Et je pense sincèrement qu'ainsi, à travers notre débat, nous contribuons à renforcer la sécurité dans le bassin méditerranéen. Je suis convaincu que nous devons continuer et renforcer notre action de prévention des conflits et de leur règlement par la voie pacifique. Je ne doute pas de votre engagement et de vos efforts pour affirmer encore plus fortement votre volonté politique, notre volonté politique de paix et de liberté dans le respect et pour le respect de la dignité et des droits de l'homme. Je vous remercie. La session d'automne ne fait que commencer. Je vous souhaite donc à tous un bon travail et une bonne poursuite de votre séjour à Genève. Merci. La session du Forum méditerranéen est terminée.
Non, mais non.